Explorers Gaming et on se retrouve sur Fortnite qui vient de sortir aujourd'hui, en tout cas en version bêta ouverte. Donc moi j'ai pas du tout testé Fortnite jusqu'à présent, donc ça va être vraiment de la découverte totale. Alors on est parti. On va se connecter. Alors, la Fortnite, c'est le nouveau jeu d'Epic Games, les créateurs de Paragon. Ce sera un jeu qui sera en free-to-play à partir de l'année prochaine, qui pour l'instant est à 40€. Sur PS4, sur PC, sur Xbox One également, je crois. Salut, bienvenue. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir pour construire des forts, dégommer des carcasses, explorer ce monde mystérieux. Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à un membre fondateur et nous comptons travailler dur pour améliorer Fortnite. N'oubliez pas que c'est un endroit convivial où vous pouvez faire de nouveaux amis, alors soyez bien gentils avec eux. Notre communauté est issue de la rencontre entre vous et un groupe de développeurs passionnés. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Pour cela, utilisez le bouton faire un retour, d'accord. Les récompenses de fondateurs sont remises après le didactiel. Oui, parce que on peut avoir plusieurs. Oula, petit accident. Non, hop, la lifebox est tombée, mais ça marche toujours. Alors, voilà. La compétence base du constructeur rend la structure alliée proche plus résistante. Bon. Eh ben, j'espère que ça va marcher. Bon, alors. Départ. Alors, qu'est-ce que ça va être du coup? La tempête a frappé sans prévenir. C'était un mal puissant et terrifiant. J'aime beaucoup le style graphique de ce jeu. 98% de la population mondiale a disparu. Alors que le monde touche à ça. Oh, ça fait beaucoup 98% quand même, hein. Si vous m'entendez, j'ai besoin d'aide. Je suis toute seule ici. Si vous m'entendez, j'ai besoin d'aide. Je suis toute seule ici. Si vous m'entendez. Votre combat commence. Alors. Welcome to home base. Ah oui, run. Courez vers la base. Au lieu de. Ou fuyez vers la base. Au lieu de. Bienvenue. Oula! Allez, dépêche-toi! Mais voilà. Ça doit faire mal. Et nous voici dans Fortnite! Ah, vous êtes debout. Ça va votre tête? Oui. Les escaliers, ça s'utilise avec les pieds. Juste un petit conseil en passant. Merci. Système de sécurité. C'est rien. Alors, présentation. Je suis Ray. Nous sommes l'équipe de commandant. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on ait un commandant. Et comme oups. Pour cet exercice, nous n'aurions strictement aucune chance contre la tempête. Tu peux répéter? Pas un exercice? Oups. Ça explique la présence des monstres. Au passage, notre mission était d'empêcher la tempête de se produire. Donc, on passe au plan B. Plan B. Vous avez une idée? Ah oui, non? Allez! Appel de détresse. Appel de détresse. Oh, vous venez de trouver notre plan B. Bon, ben voilà. J'ai besoin de soutien. Je vous reçois 5 sur 5. On a des survivants en danger. La tempête approche. N'inquiétez pas. Ne me mets pas en attente. J'irai droit au but. Déjà songé à combattre les forces du mal? Parce qu'on a vraiment besoin d'un commandant et que vous me semblez faire l'affaire. Ne pleurez pas, vous allez faire des merveilles. Ramirez, je vous mets en contact avec notre commandant. Allez, tous à vos postes. Locke, l'interrupteur. Eh ben c'est parti. Quand vous voulez, commandant. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ok,
Commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello, Ray. If you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online. Now. Yeah. Okay, c'est parti. Back in action. We got a pack of huts set ahead. What's our firepower situation? See for yourself. Lead the way, Commander. Alors je... Wow, Husk. Ah, il a une sacrée tête. Ok. Alors... Ok, R2, L2. Pour viser tirer. Très classique, c'est ce qu'il faut. Carré pour recharger. Bon, on va s'en tenir à ça pour l'instant. Il y a d'ailleurs d'autres choses, mais on va s'en tenir à ça pour l'instant. Du beau travail, commandant. Ouais, bon. 3 pour sauter. Alors par contre, rond, j'ai pas vu. Ok, rond, c'est le menu de construction. Ça, on va attendre un peu. Ouais. Quand quelque chose vous bloque le passage, essayez de le détruire. Servez-vous de votre pioche pour détruire le chariot. D'accord, et je vais récolter des composants. Quelle est votre situation, Ramirez? J'ai assuré la défense du fort, mais aucun abri ne reste sur longtemps. Nous allons vous aider. Ouais, je veux bien, ouais. Bon, alors apparemment, la petite partie en anglais était la seule non traduite. Alors, on va voir. Ouais, c'est ça, je peux récolter du matériel là-dessus. Ouais. Ok, le but c'est de trouver la sortie de la grotte pour l'instant. C'est assez cool à prendre en main pour l'instant. Ok, la tempête. C'est toujours aussi violent, Ramirez ? Oh non, parfois c'est pire. D'accord, tout va bien. Nous devons construire un moyen de sortir. Passer en mode construction et sélectionner les escaliers. Alors, je vais construire des escaliers. Alors appuie sur... Ah oui, d'accord. Bel ouvrage. Ah ben voilà. Salut, bienvenue sur le live. Pieux de sol rétractable, munitions, balles légères. Ok. Là, il y a un monstre qui se cache derrière là. Ah non. Il va vous falloir une meilleure arme. Une bien meilleure. Ça peut justement se faire. Oh, j'ai aussi des matériaux de fabrication pour ça, détruisez des voitures et des arbres. Détruisez des arbres et des voitures. Très bien. Le bois des arbres sert à la construction et la ficelle à la fabrication. Ok. Donc 3 sur 4 ficelles légères. Écrou, pièces mécaniques rouillées sur les véhicules. Bon choix. Écrou. Les voitures sont une bonne source de métal, de pièces mécaniques et d'écrou et boulons. Parfait. Ah non, ça, il y a des trucs qu'on peut fouiller et d'autres qu'on peut détruire. Ah ouais, je vais trouver plus des... Et donc ficelle, ça va être les arbres, on a dit. Bien, nous avons ce qu'il faut pour fabriquer une arme. Très bien, parfait. Cliquez sur l'icône d'arme à feu, choisissez-la et fabriquez-la. Ah oui. D'accord. C'est à moi de choisir. Je peux vraiment choisir. Sniper, pistolet, assaut, fusil à pompe. Pistolet, ça me plaît bien. Ah non, d'accord. Je l'ai déjà ? J'ai pas compris. Puis fabriquer un fusil d'assaut. Ouais, donc ça doit être ça.
Non, assaut. Fusil d'assaut tirant des rafales moyennes. Ouais, récompense la précision, moi j'aime bien ça. Comment ça? Ah, fusil d'assaut construire. Ramirez, répondez. Voilà. J'ai marqué l'emplacement du fort sur votre carte. Allez défendre les survivants. Très bien. Ok, d'accord. Oula, il y a du monde. Par là-bas. Oui, ça a l'air d'être par là-bas. Ok. C'est mal barré. C'est parti, c'est à moi. Éliminez ces carcasses. Ok. Oula. Ça part mal. Ok, donc c'est... Bon, voilà. Vous n'avez pas eu cette chance. Quelle est notre situation? Si on n'arrive pas à filer d'ici rapidement, c'est la mort assurée. On y travaille. Pas de panique, on couvre vos arrières. Posons quelques pièges. C'est classe. Pour empêcher les carcasses d'entrer, placez des pièges devant la porte. Ouais, on va faire ça. Appuyez sur carré pour afficher le secteur de piège. Allez, on va faire sur le sol. Pieu de sol rétractable. Yes. Yes. Il devrait nous faire gagner un peu de temps. Allons un peu voir comment vont les survivants. Allez, on va aller les rencontrer. Non, je peux pas passer par là. Salut. Non, on peut pas parler. Ah oui, mais faut que je rentre dans la base. Lui, il fait que la garder. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ramirez. Ramirez. Salut. Tenez bon, on va s'occuper de ça. Parfait. Un coffre des récompenses. Un lance-roquette. C'est parfait. Ramirez, je détecte des signaux vraiment bizarres ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Aucune idée. Il n'y a pas moyen d'entrer. Mais si. Entrez en mode modification. Sélectionnez le carré au centre et celui en dessous pour créer une porte. Oh! Donc, du coup, il y a une porte qui est en train de se construire. Donc, du coup, je peux ouvrir. Ah, oui, non, d'accord, je peux ouvrir même si c'était pas complètement fini. D'accord. Alors, hop! Des écrous et des boulons. Ok.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce truc était là depuis le début? C'est un missile ou une sorte de fusée? Ah ouais, quand même. Une sorte de fusée. Ah mais oui, c'est une chouette fusée en plus. Commandant, il y a un satellite dedans. Un satellite? Avec un satellite, nous serons capables de guider Ramirez et les survivants jusqu'à notre base. Eh ben, lançons-la alors. Bah, on va lancer la fusée? Comment est-ce que je fais ça, moi? J'imagine que je vais par là. Allez, c'est parti. Et donc, ça n'a pas marché. étrange. La fusée a été modifiée pour fonctionner avec de la bleulite. De la bleulite? Cherchons de la bleulite. Explorez la salle autour de la fusée. Il doit bien y avoir de la bleulite pas loin. Mais oui, il y a de la bleulite juste ici. C'est fou. Heureusement que t'as répété trois fois pour que je retienne comment ça s'appelle. Bon, c'est un tutoriel. C'est rigolo. Allez. Deux fois de la bleulite. Je suis sûr qu'il y a un troisième endroit autour d'ici où il y a de la bleulite. Alors on va aller chercher de la bleulite. Oui, munitions déjà pleines, d'accord. Voilà. J'en profite pour... Ça suffira. Mettez la bleulite dans la fusée. En gros, on va faire le plein, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ah oui? Oui, oui, je veux bien. Nous devons protéger la fusée jusqu'au décollage. Une autre vague arrive. J'ai besoin de renfort. J'arrive. Ne t'inquiète pas tout seul, Lenny. Je suis en chemin. Non! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fiche le camp de là! Quoi il parle? Je peux me contenir! Fais pas le con, Lenny! What? Ok, on est mal barré. Ok, à mon avis, la base va pas tenir, voilà. D'autres ennemis arrivent. Vous devez protéger les survivants. Où est-ce qu'il est? Bon, on l'a eu. Non, c'est pas le moment de fouiller. Bon, fais un peu le ménage. Alors les munitions, moi, j'en ai plein quand même. Hein. Ça va, pour le début. Et ouais, mais la base va pas survivre. Là évidemment, on va pas commencer avec une base toute faite. Parfait. Alors. Donnez bon et protégez le fort. Mais c'est moi le commandant, pourquoi tu réponds à ma place? C'est bon, on prépare une frappe aérienne. 10 secondes. Enfin une bonne nouvelle. Ah mais d'accord, le piège, oui, évidemment. Le piège au bout d'un certain nombre de zombies qui marchent dessus, il s'abîme. Demandez la frappe aérienne quand vous serez prêt, commandant. Voilà. Voilà, là ça cause.